je suis Castel Briantais, pure souche. Je suis né donc rue des 27 Otages, dans la même rue que Gérard Riflet. Après, je suis parti à Nantes, au lycée Livette, j'ai fait un BEP de modelage mécanique pour faire ce métier, ce fabuleux métier qui est le métier de modeleur. Et par un concours de circonstances, j'ai appris que l'établissement Aurin, qui faisait Aurin-Gaillard, qui était à Châteaubriant, donc recherchait un modeleur. Là, j'ai eu l'envie de me mettre à mon compte. En juin 79, j'ai démarré un atelier de jouets en bois. Mais bon, il faut pouvoir en vivre, et là, on s'est rendu compte rapidement qu'on aurait eu du mal à en vivre. Donc, j'ai repris mon métier de modeleur et je me suis spécialisé dans le modelage, principalement pour les thermoformeurs. J'ai eu l'opportunité de reprendre mes études, et j'ai fait une formation pendant un an à la Chambre de commerce, enfin pendant 9 mois, à la Chambre de commerce, une formation à la gestion et administration des PME. Parce que c'est vrai que dans ma première expérience, je m'étais rendu compte que la notion de gestion était quand même très importante, et même si cette entreprise fonctionnait, je dirais qu'elle elle vivait à minima, et c'était pas l'objectif. Donc une fois que j'ai fait cette formation à la CCI de Nantes, j'ai monté mon projet de création d'entreprise. Et voilà des moules. Voilà les moules et voilà les pièces. Ce sont des pièces pour des appareils respiratoires pour les plongeurs dans l'armée. Là, ce sont des prototypes que vous avez devant vous. Voilà une partie du moule d'abord. Vous voyez, on perce des petits trous partout. On perce des petits trous pour aspirer, pour que la matière soit aspirée. Une fois qu'elle est chaude, qu'elle est en état de déformation, elle vient épouser les formes du moule. En avril 88 est né Team Plastique, avec un associé qui s'appelait Gaston, qui s'appelle toujours Gaston Perrin. Nous avons eu la chance d'avoir une croissance relativement régulière. Sans à-coup, on a eu quelques montées en puissance, souvent liées à des marchés. C'est vrai que quand vous arrivez à tenir certains marchés assez conséquents, ça vous booste. Réussi à avoir un marché dans le mobilhome avec la société IRM. Et cette société, qu'en 1994, devait faire 400 mobilhomes par an, et l'an dernier, on a fait 9000 et quelques. Il y a deux autres marchés qui nous a beaucoup aidés, c'est dans les années 99-2000, c'est le marché du nautisme avec Beneteau. L'aéronautique nous a fait avancer dans les normes qualité d'une manière importante, puisque par la traçabilité, notre organisation, et c'est une belle référence, et là aussi, c'est pareil, ça nous a beaucoup boosté et bien fait avancer. Nous récupérons tous nos déchets, et toutes nos chutes de production sont broyées. Donc là, vous avez les conteneurs, et vous avez donc le broyeur qui est ici. Nous on refait faire de la plaque ou on le vend également sur le marché en chute de matière. On a cette chance-là de pouvoir à peu près récupérer 99% de nos produits. Et c'est réutilisé. Nous sommes sous-traitants avant toute chose. Notre stratégie, c'est surtout de bien servir nos clients. Ça, c'est un petit peu ça qui a fait notre force. Et puis après, c'est bouche à oreille. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir une très grande fidélité de nos clients. Nos clients progressant, nous, on progresse. Donc, notre stratégie, c'est ça, c'est de bien suivre et bien servir nos clients et de ne pas les perdre. Donc, l'objectif, pour moi, ce n'est pas d'être 150 demain. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un groupe qui fonctionne bien. Et là, ce qui fait notre force aussi, je veux dire, c'est la qualité du personnel chez nous. Je me dirais pourquoi chez nous plus qu'ailleurs, parce que je pense que vraiment on a des gens qui sont motivés et qui fonctionnent bien. Il y a une bonne ambiance globalement dans l'entreprise aussi. On fête souvent tous les mois, par exemple, on fête nos anniversaires. Il y a les anniversaires qui sont fêtés tous les mois. Bon, c'est le moment d'un petit moment de convivialité. Et il y a un système de primes de rémunération, on a des primes de bilan, on a des primes qualité, on a même une prime qui s'appelle bon pour le moral. C'est vrai que d'une manière générale, les gens savent que si l'entreprise va bien, ils
je prends leur part et je fais le nécessaire pour, puisque je pense que si on travaille tous pour la même chose. Donc, en 88, quand je me suis installé, j'ai fait partie également de... Je me suis inscrit à la Jeune Chambre économique de Châteaubriand. Et c'est une structure qui m'a beaucoup apporté dans la prise de décision et puis dans le management un petit peu de mes affaires. Et je dirais qu'il ne faut pas hésiter à y adhérer. Et quand vous avez, quand sur la touche à l'entreprise, vous avez un technicien ou que ce soit qui a une personne qui arrive sur Châteaubriand, ça peut être un très bon moyen d'intégration.